Honorable Lemba Lemba, vous aviez tenu certains propos lors d'une émission télévisée, des propos qui sont ces jours dans l'actualité à propos des fameux 15 millions de dollars que vous auriez... 15 000 ou 15 millions 15 000 dollars que vous auriez perçus pour, d'après vos propos, motiver les membres de l'Union sacrée à déboucher ou à faire déboucher quelques députés du FCC. Comment défendez-vous par rapport à ce propos? Mais c'est vrai. On m'a donné 15 000 dollars. Je me trompe peut-être, il y a eu aussi 55 000 dollars. Et puis il y a eu 180 000 dollars. Tout ça, c'était pour que je fasse mon travail. Et ce travail a été bien fait, de débauchage, puisque j'ai débauché le président Kingo. Il est venu maintenant du côté de l'Union sacrée. J'ai déposé, comment on dit, j'ai pu prendre des gens comme des gens Charles Cotto, j'ai pu, avec les 15 000 dollars. Je suis comme Jésus quand il a fait la multiplication de pain. Alors imaginez, vous voyez comment est-ce que je prends ça à la légère, avec 15 000 dollars de 240. Députés qui étaient là, on est maintenant presque, on a dépassé les 300. Mais c'est avec les 15 000 dollars là, ils doivent. Donc vous confirmez. Bah, Julien Paloukou, c'est moi. Hein, je les ai d'autres. Bon, sur les 15 000, combien est-ce qu'il a reçu? Bon, Julien Paloukou, il donne un gouffre, il dit bonjour ici. Il y en a Safra qui est là, 300 dollars. Il y en a Kimi, FCC, il y en a Union Sacrée. Est-ce que c'est, attendez, est-ce que c'est logique? Qui vous a donné cette somme d'argent pour déboucher le membre du FCC? Attendez. Qui a l'argent maintenant? Ce sont les gens du FCC. Hein? Ceux qui ont l'argent. Maintenant, l'autre camp, la Fatih Béton. Qui peut tenir les cordons de la caisse? Ça ne peut être que du côté de l'actuel pouvoir. Puisqu'il y a un nouveau pouvoir maintenant. Et ces gens-là, bête que je suis, au lieu de me donner des millions, ils vont prendre 15 000 dollars. On dit à Kendo Kodayo Molière, à Kendo Kabola, Kendo débauché bateau, et je parviens quand même à débaucher les gens. Et c'est pour ça aujourd'hui nous avons la majorité. C'est complètement idiot, excusez-moi. Vous dites que vous avez désormais la majorité, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette majorité vous désavoue par rapport à ces propos que vous tenez? Comme quoi? Quel propos que je tiens? Parlons de ces 15 000 dollars. Mais écoutez, c'est quand même terrible, Naïbi, dans le bango peut-être n'a quitté là. Hein? Je suis un satirique. J'aime l'humour. Mes messages passent à cause de Yabaïmo Naba, taquinerie. Je suis un taquin. Alors si toi tu crois vraiment qu'on peut corrompre les députés avec 15 000 dollars, c'est que tu es un idiot. Je ne dis pas pour toi. Pour la personne qui a cru ça. Vous êtes toujours dans le satirique. Voilà. Je suis un satirique. Hein? Il faut être idiot pour penser qu'on peut aller corrompre les gens du FCC avec 15 000 dollars qu'on a donné à Papa Molière. Et Papa Molière a fait la multiplication des pains. Avec les 15 000 dollars, on a débauché Batonion sur la FCC, on se bouscule au portillon. À vous. Merci, Papa Molière.